Et voilà, voyons voir. Alors c'est nouveau ça. Vas-y, frotti frotta, je te brosse les poils du nez et du visage. Oh, magnifique. Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel de retour sur Fabulous Angela's Fashion Fever. Alors juste avant de commencer, regardez, je vous avais déjà montré ça quand même, mais je vous montre ça, c'est les autres histoires des créateurs de Angela. Donc la Delicious Emily's Hopes and Fears, c'est le prochain jeu auquel je vais jouer sur ce système de jeu. En attendant, donc Hearts Medicine saison 3 qui devrait arriver au courant de l'année, mais on n'a encore aucune date sur ce jeu et moi par contre j'ai super super hâte. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? On était donc à Rio de Janeiro, on a fait cette magnifique robe à plumes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être découvert que Trulli était en fait une des participantes et qui était Laurie. Donc on va essayer d'en savoir plus. Et là maintenant on est à Milan et j'ai créé une jolie petite robe et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc cette fois Céline qui a laissé un gâchis. Ah non, j'en peux plus. J'en ai marre de ranger. Je déteste les trucs pour ranger. Alors oui, les copines de Angela sont venues, j'avais oublié. Et du coup, elles sont trop contentes parce que forcément, le gros cliché des Italiens dragueurs, hein, voilà. Oh, cet accent, je sais déjà, on va passer la soirée. Je sais, ce soir, on sort et je compte porter ma robe de femme fatale. J'ai adoré vous accompagner, mais je dois travailler. Mais j'incite pour que vous sortiez vous amuser. D'accord, comme tu veux, nous, on va se préparer. Et hop, c'est parti. Et Virginia va bien, je crois que tu ne lui as toujours pas souhaité son anniversaire. Ah mince, j'ai pas une minute à moi ces derniers temps, entre l'émission et le reste. Je promets de me faire pardonner. Et ça donne pas oublier qui sont tes fans de la première heure. Oh, bien sûr. Je sais pas pourquoi ça va mal se passer. Alors, qu'est-ce que je peux acheter? Rien de spécial, j'ai déjà tout. Oh mon dieu, je déteste ça. Bon ben, c'est parti, hein, c'est du classique, hein. À tout de suite. On va attendre qu'elle sorte pour nettoyer la cabine d'essayage. Et ensuite, on va encaisser tout ça. Voilà. Oh, c'est du classique, hein. Moi, je veux l'histoire. Est-ce que j'ai mes trois petites étoiles? Bien sûr, bien sûr. Alors, voyons voir. Ah, j'adore comment elle marche, genre elle se la pète et tout. Waouh, Jenny, tu es canon! Allez, on va s'éclater sur la piste de danse. Quelqu'un a envie de danser? Je connais les endroits les plus branchés de la ville. Merci, mais ça ira. Ne l'écoutez pas, où est-ce que vous nous emmenez? Ah non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, Jenny, tu... Oh! Ah oui, ça vous fait rire. Ah oui, mais peut-être qu'elles savent pas que... il est censé sortir avec Angela. Ouais, bah voilà. C'est pas possible. Alors là, il se passe quoi? Ça va être encore un niveau où il va rien se passer? Oh, c'est pas vrai! Oh, oh, oh là là. Elles sont démontées. Attendez, ça sent si que vous rentrez. Angela, tu as raté la soirée du siècle. Jenny, est-ce que ta robe a eu l'effet escompté? Ah oui, ça, on peut le dire. Bon, alors, qui est l'heureux élu? Il s'appelle... Ah bah tiens, le voilà, justement. Et oh, Eric! Eric? Et lui, genre, qui parle? Et elle, elle est morte de rire, Trulli, là. Eric, toi et... Genre, je remets mes lunettes. Ah non, c'est la cata! Et du coup, là, j'étais super en colère. Oh, c'est joli, ça. Mais là, d'un coup, je suis hyper contente. C'est quoi, ça? Julien, grâce à ce poste, Angela appliquera des produits capillaires aux mannequins deux fois plus vite. J'ai pas d'argent. Donc, c'est parti. On va préparer une robe de chaque. En attendant, et... Ah, bonjour, madame. Ça te va bien, ça? Attends, je prends un peu de chocolat. Et voilà, voyons voir. Alors, c'est nouveau, ça. Vas-y, frotti frotta, je te brosse les poils du nez et du visage. Oh, magnifique. Très bien. Bon, bah c'est un peu classique. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. On va lui donner à elle. Et on va pas encaisser, on va attendre que celle-là, elle est finie pour encaisser. Comme ça, je nettoie d'abord et j'encaisse tout le monde. C'est tout bon. Tiens, je vais faire une petite robe avant, on ne sait jamais. Et voilà. C'est... J'ai pas mes... Si, c'est bon. Si, si, oh oui. Mais oui, très bien. La petite souris était là, entre les deux...
Les deux trucs, la boutique est propre, j'ai 3000. Alors mince, elle s'en veut. Oui, mais tu pouvais pas savoir, je savais pas que vous fréquentiez. En plus, c'est interdit par le règlement du concours. Oups. Racontez-moi. J'adore le petit truc avec la main là. Bon, on s'apprêtait à sortir et il nous a abordé et il l'a dragué toute la soirée. Et il n'a pas parlé de moi? Pas une seule fois. Je suis vraiment désolé, Angela, crois-moi. Ne laisse pas Eric s'immiscer entre Jenny et toi, elle ne pouvait pas savoir. D'abord, elle s'incruste dans l'émission et maintenant elle flirte avec Eric? Tu ne pouvais pas savoir. Les hommes, ce n'est pas ce qui manque ici. Bah oui. Oh, pauvre Angela. Fabuleux. Eh oui, fabuleux. C'est pas si fabuleux que ça, hein, de se faire tromper à peine que tu... À peine tu commences là. C'est quoi ça déjà? Oh. Ah oui, c'est vrai, j'ai regardé tous les crédits, du coup, j'ai gagné ça. Alors attendez, je vais vous montrer quand même ça. J'ai pas trop compris là. Terminer un événement d'un niveau de robe avant d'aider quelqu'un et terminer quand même le niveau. J'ai pas trop compris. Peut-être que dans les niveaux, il y a les robes, vous savez, il faut faire il faut les avancer, je sais pas, les esquisses, ce genre de choses. On s'occupe de personne, on fait la robe, et une fois qu'on a fini, bah, à un moment donné, on finit. Peut-être que c'est ça. Et alors, attendez, je crois qu'il y avait ça. Non, c'était... Ouh, je t'en ai... 300 robes, c'est bientôt, ça. Je sais plus ce qu'il y avait, autre chose. Ah oui, c'est ça, regardez. Papier d'identité, s'il vous plaît. Je me demande ce que ça peut être. Allez, c'est parti. Alors, oh non. Oh non, mais j'étais peut-être les niveaux boîte. Oh non, mais c'est insupportable, quoi. Ça y est, je peux l'acheter, ça. Oh non. Voilà, j'aurais pas dû... l'embaucher lui et j'aurais déjà 500. Alors, ouais, bah oui, c'est chiant tout ça. Bon, heureusement qu'il y a deux nanas qui arrivent en même temps là. Oh, voilà, ça y est, mes robes. Trop bien. Bah, on se retrouve à la fin. Hein. C'est parti, les amis. Oh, et bah, dis donc, c'est déjà la fin de la journée. Oh mince, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. C'est bon parce que j'ai cliqué là alors que j'ai cru que j'avais pas fini de tout nettoyer, mais non, c'est bon. Je vais pouvoir nettoyer tout ça avant et lui donner et ensuite l'encaisser. Voilà, c'est bon. Voilà, la caisse est arrivée là. J'aime pas ce niveau, c'est nul, ça sert à rien. Allez. Allez, on continue. Fabulous. Alors, voyons voir. De quoi discutent Rouli et Jenny? Écoutons un peu. Ah ah. Simplement époustouflant. Donc bien évidemment, il y a Trulli qui est là, mais il n'y a pas Laurie. Épatant, tout simplement épatant. Oh, merci, je me suis inspiré de... Je ne parlais pas de ta robe, chérie. Oh, Ginny, tu voudrais pas devenir l'un de mes mannequins? Moi. Mais non, Ginny, tu vois bien que Trulli plaisante. N'est-ce pas, Trulli? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Ai-je dit quelque chose de marrant, Bob? Non, excuse-moi, désolé. Je voulais pas te froisser. Bon, viens faire quelques pas avec moi, Jenny. Quelle manipulatrice. Et elle, ben, grosse jalouse, hein. Tu vois, Jenny monopolise toutes les attentions. Bah, c'est pas grave, hein. En même temps, c'est toi qui fais ta robe, hein. Oh. Ah, ça y est, je peux acheter ça. Très bien. Bon, alors, on va passer vite le niveau, mais dès qu'elles vont parler, je vous mettrai ça dans la vidéo. Ah oui, on va préparer deux robes, quand même. Ah mon dieu, mais il y a des cafés chocolatés maintenant, c'est nul. Alors on va voir. Ah, ça va commencer à tchatcher. Voilà. Je fais ça et je vais écouter. Alors voyons voir. Fancy. Le mannequinat demande du talent, Jenny. Ah non, c'est genre pas très passionnant en fait. Bon bah, on fera ça plus tard, hein. Au revoir. Et ben voilà, c'est déjà la fin de la journée. C'est rapide. On va faire ça, ça, nettoyer là, et ensuite nettoyer là, et encaisser la petite dame. C'est terminé. Bon, le dialogue était absolument pas passionnant. C'est en gros, tu as le talent pour être mannequin. Je perds le talent à 10 km à la ronde. Bon, bref. C'était un peu nul. Et ça fait une deuxième intrigue en fait. Ah non, j'ai raté la troisième étoile. Zut! Alors ça s'est pas passé avec Trulli, mais je vois pas pourquoi t'es jalouse, toi t'es pas là pour faire mannequin, t'es là pour faire styliste. Oui je crois, oui, mais c'est pas ça facile de savoir ce qu'elle pense. Super, vraiment super. Pardon. Tu sais ce concours pour échanger la vitre? J'en suis consciente, merci.
arrêtez les filles. On est ensemble à Milan, on doit s'amuser. D'accord. D'accord. Bon bah ça y est, il y a de l'eau dans le gaz les copines là. Ah là 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 là. Bon, jusqu'où je vais? Je me rappelle même plus où j'ai commencé. On verra. Oh non, Majestic encore. Oh non, le chien Trulli. C'est un gros manipulateur celui-là en fait. Et quoi? Jenny et Angela sont-elles toujours amies? Eh bien je... Oh non. Genre en mode concentration, ne bouge pas. Je ne bouge pas. Angela, Jenny, salut. Écoutez les filles, je... Ah ok, salut. Très jolie robe en passant. Merci. Mettons un terme à la carrière de Jenny avant qu'elle ne commence. Ne sois pas ridicule, Jenny, ton amie, elle veut juste t'aider. Bah oui, Angela, faut pas réagir comme ça, voyons. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Non, c'est tout bon, j'ai tout là. Alors voyons voir, on va préparer. Ah. Oh, c'est hyper joli. Alors il est où Majestic là? Attends, on va faire deux robes de préparation. Ah ça j'aime pas cet aspect, il faut faire ça là, c'est hyper chiant en fait. C'est pas drôle, c'est pas intéressant. Bon allez, on se retrouve à la fin. Ah non, regardez, il y a le petit chien. Ah, tu veux un coup de toilettage, tiens. Si je fais ça, j'encaisse. Oh, c'est trop mignon. Allez, au revoir. Hein. Ah ok, c'est déjà la fin de la journée. Mm-hmm. Ok, ok. Très bien. Bon, je perds des cœurs là, mais je vais attendre qu'elle, elle est finie quand même pour nettoyer, pour encaisser avec un combo. Et puis voilà, c'est très bien. Allez, c'est parti. Oh, Sparkling, dis donc, c'est la première fois qu'elle dit ça. Ouh, ah bah là, ça y est, j'ai réussi. Oh là là, parfait. Ah, oh, elles sont toutes en train de faire de la pâte à pain. Tchouk, tchouk, tchouk. Bon, change un peu de style, comment elle s'appelle, Céline. Pourquoi ne pas s'amuser un peu avec la robe de Jean? Non, on va pas faire ça quand même, on ne peut pas faire ça, c'est sa robe préférée. Bien sûr, et c'est avec cette robe qu'elle a attiré Eric dans ses filets. Tu es prête à briser ton amitié avec Jenny pour les beaux yeux d'Eric? On va les mettre au pied du mur tous les deux, après on sera quittes. Mm-hmm. Mais non, mais elle peut pas faire ça. Cela dit, Jenny, elle aurait pu arrêter, sachant qu'elle sortait avec Eric, et se liguer toutes les deux contre Eric, parce qu'au final, c'est ça que les vrais amis devraient faire. Oh non, encore, je déteste. Je déteste ce genre de niveau. Oh, j'en ai marre. Purée. Ah, voilà. Bah voilà, on va tout éparpiller. Et en plus, je sais pas, je vois pas où ils sont les trucs, et donc je vois pas. Bon, bah c'est pas grave. Allez, on se retrouve à la fin. Attends, le rouleau jaune, il est là-bas, ok. Pourquoi je lui ai pas donné la robe à la dame? Ok, ah bah c'est bon, allez, on se retrouve à la fin. Ça m'a saoulé. Oh là 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 là. Alors... Oh là, d'accord. Mais c'est dur, hein, ce niveau. J'en peux plus, là. On va nettoyer ça. Ensuite, on va prendre le choco. On va nettoyer ça, on va le donner à elle et on va encaisser, parce que la boutique est propre. Et j'ai une robe en trop sur les bras, je sais pas comment j'ai fait. Est-ce que je vais avoir les... Ah oui, c'est bon. Oh là là, il y a trop de trucs à faire dans ces niveaux, j'aime pas. Alors, voyons voir. L'histoire, l'histoire, on veut l'histoire. Arrêtez avec vos tergiversations, là. Quoi, il y a tout, il y a rien. Ah non, 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 je proteste. Allez, allez, hop, hop. Tiens, c'est le sac de Jenny. Tu n'as pas vu ma robe, Angela? Oh oh, non, pourquoi je... Oh non, oh, je voulais la porter ce soir. Ah, tu sors. Alors, et là, ils sont tous là pour filmer et tout. Un problème, mademoiselle? Non, non, tout va bien. Tant mieux, alors, Jenny, il paraît qu'Eric et toi avez fait connaissance. Et elle est trop contente d'un coup. Coucou, en fait, face à la caméra, tout va bien. Quoi, c'est tout? Oh là là, non, 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 c'est quoi ça? Ah, une nouvelle robe. Eh ben, on va en faire une de chaque et on va se lancer dans la partie. Allez, on se retrouve à la fin. Et fancy, smart. Je nettoie. Et j'encaisse les deux petites dames. Bon, alors là, ça m'énerve un peu l'histoire, parce qu'ils sont en train de délayer le mystère sur Trulli en faisant cette histoire avec... J'ai raté mon étoile. Ah non, c'est bon. Donc ça...
Bon, ah Eric, te voilà. Alors, est-ce que tu sors avec Jenny ce soir? Oui, mais je... Fantastique. Bien, je vous laisse, j'ai affaire. Moi. Ah! Ah mon dieu, elle a mis la robe. Comme si c'était juste l'histoire d'une robe qui changeait la donne. Et en plus, bon, en même temps, hein, ça fait 3 épisodes que je dis qu'elle a tout le temps la même robe, donc c'est pas mal de changer un peu. Oh, salut Eric, je ne savais pas que tu étais là. Tu vas... quelque part? Bah, c'est pas la robe de Jenny? Qui? Angela, sache que Jenny ne représente rien à mes yeux en fait. Oh! Je vois que tu as retrouvé ma robe. Oh, Jenny. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Ah, le drama, le drama, le drama. Ça va pas du tout, les filles. Ça ne va pas du tout. Bon, est-ce qu'on fait encore un épisode ou pas? Ouais, allez. Obtenez 3 combos étincelants, nettoyez 3 choses pour en obtenir un. Ah, d'accord. Ah, c'est, j'aime pas ça. C'est nul, non? Et voilà, ça commence. Comment tu peux faire une chose pareille, Angela? Pardon? Tout ça à cause d'Eric, n'oublie pas qu'il t'a trompé. Oui, avec Jenny. De toute façon, ce n'est pas sérieux entre nous, je m'amuse juste un peu. Oui, mais bien sûr. Et pourquoi tout le monde se mêle de mes affaires comme ça? Parce qu'on est tes amis. Voilà, c'est ça. L'amitié, c'est ça, c'est avoir à dire aux gens les choses qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre, mais qui sont vraies. Voilà. Pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi sur la notion d'amitié. Bien sûr, il y a d'autres aspects, hein, on est d'accord. Voilà, mais bon, c'est vrai que en général, quand on est hypocrite, c'est qu'on n'est pas amis, et les amis veulent qu'on nous dise la vérité. Allez, qu'est-ce comment on va faire ça? Ah, du coup des ciseaux pour faire ça. 3 combos étincelants, donc ça veut dire nettoyer 3... Hein? J'avais jamais remarqué, c'est trop drôle. Oui, je sais hein, ce qu'il faut faire, madame, hein, t'inquiète, hein, c'est pas la peine de me demander. Oh, la jolie coupe que je t'ai faite. Bon, allez, on se retrouve à la fin. Ah non, mais je suis trop bête, il fallait pas que je nettoie tout de suite. Oh, faut que j'attende que ça soit sale. Et voilà, et ensuite, je lui donne, et je fais les 3 trucs en même temps, ça fait combo étincelant. C'est ça que j'ai réussi à tout à l'heure, le sparkling. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Regardez. Voilà. Très bien. Allez, à tout de suite. Ah, bah voilà, fin de la journée. Oh, la beautiful, beautiful. Vas-y, encore plein d'étoiles et de paillettes et de strass. Oh là 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 là, formidable. Oh là là, si j'étais une licorne, je vomirais des arcs-en-ciel. Hein. Wow. Bon, j'ai fait tout ça, c'était facile. C'est juste chiant parce qu'en fait, on est obligé de prendre du retard sur le nettoyage. Et après, ça fait qu'on n'a pas les 3 étoiles, parce qu'on perd des combos sur les trucs. Alors, voyons voir. Tu veux bien m'expliquer ton attitude hier soir? Et voilà, ça commence. Reste calme, tout va bien se passer. C'était peut-être une mauvaise idée. Me piquer ma robe pour flirter avec Ryu, oui, sûrement. Trulia t'a invité à participer à l'émission, mais ton rôle était de me soutenir. Et toi, au lieu de ça, tu t'es transformé en super mannequin qui me pique, mon petit ami. Tu es fâché parce qu'à tes yeux, ce qui s'est passé avec Eric est de ma faute. Ou parce que tu pensais que flirter avec lui t'aiderait à devenir la prochaine Trulie. Comment oses-tu? Oh. Ça va mal finir tout ça. Comment on peut gâcher une amitié aussi rapidement? Bon, et là, il y a quoi? Ah, Céline essaie de ça. Chacun son tour, quoi. Bon, du coup, c'est elle qui va se faire renvoyer. Très bien. Allez, on fait ça et après, on s'arrête. Après, ah, protégez votre robe du sabotage. En plus, c'était tellement magnifique, ma robe, s'il te plaît. Alors, attendez, on va essayer de voir Céline. Ah, Céline, regardez-la. C'est trop drôle. Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Vas-y, fais les détours là. Très bien. Trop drôle. Allez, on se retrouve à la fin. Mais vas-y, là, j'ai cliqué là. Ah voilà, j'ai trop peur. J'ai cru qu'elle allait me saboter ma robe. Cela dit, je pourrais peut-être essayer un jour pour essayer de voir ce que ça donne quand on... Regardez. Ah, c'est bon, elle est partie toute seule. C'est n'importe quoi. J'ai raté. Ah non, c'est bon. Oh. Bon, allez, une petite histoire ou pas? Non, on s'arrête sur la tentative de sabotage. Ok, eh ben oui, on va s'arrêter là, je vous dis. Comme d'habitude, hein. Ah, attendez. Ah oui, c'est vrai que j'ai gagné ça, du coup, ma petite robe. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez ce let's play. Et puis, à vous abonner si vous voulez voir la suite des aventures de Angela. Et pour ne pas rater la reprise de la saison 3 de Heart Medicine dans les mois qui suivent. Voilà, je vous dis donc merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et à très bientôt. Au revoir.